Yep à tout le monde! Alors aujourd'hui j'ai envie de vous retrouver pour un épisode consacré à chercher, impulser votre déclic pour vous permettre de vous mettre en action. Alors oui, je sais, c'est pas si facile. Quand vous avez par exemple en illustration des phases par exemple de dépression, on va dire installée depuis un long terme, c'est très difficile de stimuler une personne pour la faire sortir. Vous pouvez tout essayer, vous pouvez le faire de manière passive, active, voire même parfois peut-être un peu brutaliser la personne, essayer de psychologiquement la faire amorcer. Et en définitive, rien ne se passe. Donc en fait, j'ai envie de dire il faut conduire, il faut accompagner plutôt cette personne vers la recherche de son déclic. On a tous en fait des déclics qui nous sont propres et même si quelqu'un est derrière en train de vous pousser, si vous n'avez pas l'initiative de déclencher l'action, ça ne marchera pas. Donc ça s'appelle en définitive ce qu'on appelle la volonté. Donc il convient d'aller chercher sa propre volonté et de ne jamais baisser les bras. Dans toute situation, il y a des possibilités de remonter et c'est à vous d'aller les chercher. Voilà. Donc c'est pour ça que je parle d'impulser votre déclic. Allez le chercher et mettez-vous en action, tout est possible, mais prenez également le temps, ne soyez pas impatient. Prenez le temps d'accepter que ce déclic il puisse mettre le temps de venir. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui avait tendance à vous laisser aller en phase très très basse, je vous invite quand même à vous respecter et à respecter votre santé et justement à ne pas vous laisser aller trop trop bas. Parce qu'aller trop bas peut faire aussi que malheureusement on ne pourra pas remonter. Donc vous prenez des risques dans cette position. Donc vous pouvez attendre, vous pouvez aller progressivement dans la construction de ce déclic, mais néanmoins il est grand temps de lui accorder de l'importance si vous sentez que vous avez perdu pied et perdu main. Donc voilà, ne lâchez jamais. Moi, je vous invite à consulter d'autres tutos un peu sur voilà, le développement personnel. Et à tout problème, il y a une solution. Posez-le, soyez réfléchi et vous la trouverez. Voilà. Et surtout, respirez. Il y a plein de trucs sur YouTube pour le lâcher prise, la confiance en soi. Ben, essayez de fouiller, trouver la personne qui a la voix, qui a le timbre, qui va vous rassurer. Alors ça, c'est peut-être éphémère, mais ça va vous permettre de bien dormir et d'avoir l'esprit efficace le lendemain ben, pour prendre du recul sur votre situation et réagir. La vie, elle est belle, allez vous aérer. Si vous avez la possibilité d'avoir une forêt à côté ou la mer ou même la montagne, enfin, sortez. Sortez, 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 prenez du recul, vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps accompagné, mais allez-y progressivement, voilà, et sortez et mettez-vous en action. Voilà, j'espère vous retrouver dans un prochain épisode et j'espère qu'au final, en fait, ces petites 3 minutes, elles vous auront donné le sourire et que ça vous aura donné envie tout simplement de vous réaliser au mieux et de profiter de cette belle vie. Mettez-vous en action. Yep, vous avez le déclic. C'est cool. Ciao. Ciao tout le monde.